préfères avaler ou cracher? Bah, je préfère avaler et aussi des fois cracher. Cracher. Je préfère avaler. Avaler. Oui. Avaler quoi? La question. Oh, et de quoi on recommande? Ah, ça est un peu salé. Un peu comme du pilé. Et bon. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relous 237. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dans la très très belle ville de Tian, comme vous êtes en train de voir. Tu préfères avaler ou cracher? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relous 237. Avant de commencer, dédicace aux deux premiers commentaires de la vidéo précédente. Bon les gars, merci. Donnez-nous de la force en vous abonnant, en partageant et en cliquant sur la cloche de notification. Allez, c'est parti. Blo. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, ça va. Et la journée, ça se passe bien? Ouais, plus ou moins. Oh, d'accord, bah, on a une question pour toi. Ouais, je vous écoute. Ok, tu préfères avaler ou cracher? Bah, je préfère avaler et aussi des fois cracher. Tu préfères avaler ou cracher? Avaler. Tu préfères avaler? D'accord, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vas? Non, très bien. Ah, très bien. Déjà très bien. Ok. Donc voilà une petite question pour toi. Tu préfères avaler ou cracher? Tu préfères avaler. Avaler? Oui. Avaler quoi? La question. Tu préfères avaler la question, non? Tu préfères avaler la question? La réponse plutôt. Moi, je préfère avaler quand je constate que le goût est bon et cracher quand c'est dégueu. Dégueu. Ouais, dégueu. C'est-à-dire? Dégueu, c'est-à-dire c'est pas bon. Ça donne même pas l'envie de pouvoir faire entrer ça dans mon estomac. Les gars me disent qu'elle est bête, elle est ça, elle est quoi là? Waouh, c'est ma coco. Cracher est mieux. Tu préfères cracher? Ah oui, cracher. Et tu craches pourquoi? Tu es déjà des dingues. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, oui. Cracher. Cracher. Quoi? Parce que c'est... ça donne la nausée. Ça donne la nausée? Quand tu partais là-bas chercher quoi là-bas? Ça donne la nausée comment? Explique-nous. Le goût, on veut comprendre. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore fait ça. Dis-nous, parle-nous du goût. Parle-nous un peu du goût. C'est comment le goût? Il y a les goûts... nauséabonds, les goûts amers. Bon, ce sont les deux goûts que je connais. Ah, nauséabonds oui. Et amers. Donc tu as expérimenté les deux quoi. Ouais, j'ai expérimenté les donc, deux. Donc tu préfères avaler quand c'est bon et cracher quand c'est pas bon. Ouais, je préfère. Je vais te poser une autre question toute simple. D'accord. Quel goût ça a? Ah, plutôt bizarre, un peu salé. Un peu salé? Oh, ouais. Un peu salé comme quel mets, quelle nourriture? Parle-nous d'une nourriture. Ça ressemble à quoi dans la bouche? Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Ce qui vient à ta tête, non, dis-nous, l'autre nous a dit le coquille, l'autre a dit le pilé. Pour toi, c'est quoi? Ça ressemble à quoi dans la bouche? Le conchap, on dirait. Ah, le conchap? Ouais, ouais. Donc, c'est comme le conchap. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu n'aimes pas le conchap? J'aime le conchap, mais l'autre là, je préfère cracher. Ah, tu préfères cracher? Ouais. Okay, tu nous as dit que tu as une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Ah, tu peux te présenter devant. Ouais, je m'appelle Salvador, danseur des Titans du Cameroun. Et ma chaîne YouTube, le nom c'est Salvador Titan Officiel. Salvador Titan Officiel. Ouais, Salvador Titan Officiel. C'est Salvador Titan Officiel. C'est un yes, très grand danseur. Yes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Très bien. Ok, la journée se passe bien? Ça se passe en merveille, mon frère. Ok, gars, on a une petite question pour toi. Mais je te préviens, c'est quand même un peu osé. Hein? D'accord. Ok. Tu préfères avaler ou cracher? Avaler. Et pourquoi avaler? Avaler, c'est plus mieux que de cracher. Avaler, c'est plus mieux que de cracher. Ouais. Tu préfères avaler ou cracher? Cracher. Je t'aime, Aboubakar. Bonjour, les gars. Bonjour. Ah, bonjour, gars. Bon, voilà, la journée se passe bien? Ah, ça se passe ça bien. Très bien. Ah, ça se passe bien. Les gars, j'ai une question pour vous. Avant, je voulais savoir, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok. Tu préfères avaler ou cracher? Je préfère avaler. Avaler. Avaler quoi? Avaler la nourriture. C'est pas mon. Mais tu es quand même parti là-bas. Je suis là parti là-bas. Mais c'est pas mon comment, dis-nous un c'est peu. C'est trop salé là, pas manier, trop salé là-bas. La nourriture, fais-nous un peu un exemple de la nourriture, ça ressemble à quoi?
une sorte de coquille bien faite là, mais trop salée, man. Coquille bien faite, trop salée. Trop salée. Donc tu avales, tu prends, tu craches. Ok, il y a moins un peu, mais tu craches. Ah, tu craches direct. Mm-hmm. Ok, ça marche. Il y a des substances dégueu que tu peux avaler. C'est pour ça que tu as besoin de cracher. Ah, c'est pour ça que tu as besoin de cracher. Oui. Juste pour ça. Oui, juste pour ça. Tu peux nous parler du goût à l'intérieur. Hein? Du goût, pour ceux qui n'ont pas encore essayé, tu peux nous parler du goût. Ah, ça est un peu salé. Salé? Ouais, salé. Salé un peu comme quoi? Je sais pas. Un peu comme du pilé. Oh, je ne l'ai pilé. Je te dis que vraiment de dire. Et bon. Quand tu avales, tu n'as pas de problème, donc ça passe directement. Ça passe directement. Oui, ça passe. Tu peux nous dire quel goût ça a? Mais un vieux prends goût. Un exemple de nourriture, quel goût ça a? Mais quand tu avales par exemple le couscous, tu vois, ça descend une fois. Tu ne manges pas, ça descend. Ah non, c'est comme le couscous. Oui, ça descend. Dans la bouche là, c'est comme le couscous. Oui, quoi. Ça descend, c'est mal. Tu mets ça. Descend. Ah, ça descend. Oui. Ça... Et toi, regarde, tu as dit que tu pouvais avaler aussi. J'avale parce que ça a le goût de la banane malaxée. La banane malaxée. La banane malaxée, c'est ça. Ah non, quand tu prends ça, ça a le goût de la banane malaxée. Oui, la banane malaxée. Ok, et toi tu as dit que tu pouvais cracher. Je crache. Et pourquoi? Je crache ça parce que bah, je pense pas que ça a un bon goût. Hein. Tu penses pas que ça a un bon goût? Ah oui. Et pourtant tu as la cuit. Non. Quand tu prends, tu fermes le nez. Et je ferme le nez. Oui, oui, je bouge le nez. Comment? Puisque quand tu humes là, oui. Bah, c'est un jar, c'est un jar. Ah, je comprends. Alors, tu es tombé sur le jar là. Je suis tombé sur le jar. Tu n'es pas tombé sur le propre. Oui. Non, là voilà, exactement, je suis pas tombé sur le propre. Tu es tombé sur sale. Le foufap. Foufap. Ok, ok, les gars, merci pour la contribution. Hein. Ah, vous donnez de la force, merci, merci beaucoup. Non, ok. Les gars, vous. Ouais. Ok. Ok, merci beaucoup, les gars. Non, mais c'est ça, okay, vous. Merci. Hein. Merci à vous. Donc merci d'être resté là jusqu'à la fin. C'est 4 actions. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, commentez, partagez. Suivez-nous aussi dans nos différents réseaux sociaux. Big up!